Alors, femme, non, homme. Ah, c'est qu'on met femme sur le bleu et l'homme sur le rose, voilà. Parce que nous, on est comme Ah, ça. mais Kala, rien ne t'oblige à voter contre moi. Hein. C'est vrai Si aussi. tu veux pisser contre le sens du vent, t'étonne pas de te retrouver éclaboussé. Hein. Ah, c'est quoi encore la... Comment on dit encore? Qui pisse contre le vent, rince ses dents ou Se je sais plus rince quoi? forcément les dents. Un truc comme ça, ouais. Qui pisse Du coup, la contre le vent se rince prédiction. forcément les Ouais, dents. il faut pas commencer la partie tant qu'on n'a pas Forcément le fini la mot. prédiction, parce que ça risque de donner la réponse avant la fin du chrono. Ah oui, c'est Ou alors tu vrai. mets vraiment ça aux 10 dernières C'est secondes, vrai. le temps que ce chargement n'empiète pas sur la Bah, il prédiction. y a 2 minutes. Du coup, on n'appuie pas encore. Les gars, n'hésitez pas à participer. Donc, on a 120 points sur femmes, 30 points sur hommes. Alors, n'hésitez pas à prédire. Il reste J'ai mis encore homme. quelques 1 minute, je crois. J'ai mis homme sans Et vraiment si le conviction. fantôme est non binaire? Qu'est-ce qu'on fait si le fantôme est non binaire? Mais on sait pas. Voilà. C'est vrai que si c'est un nom, si c'est Qui un t'a dit que c'est nom un qui homme? pourrait. C'est vrai que c'est emmerdant si c'est un nom qui pourrait aller avec les deux. Est-ce qu'il y en a déjà dans le jeu? On verra avec son apparence, hein, et puis c'est tout. Oui, c'est vrai que si jamais. Ah, c'est vrai que ça. C'est vrai que du Si coup, jamais le nom. si on est obligé de... C'est vrai que si on peut pas avoir ce troisième choix, du coup, il faudrait qu'on essaye C'est vrai qu'on peut d'une avoir certaine un manière. nom. C'est vrai qu'on peut avoir un nom masculin et avoir une femme en termes de skin. On fait comment dans ce Ouais. cas-là? Mais si on a un nom On va dans ce masculin, on se pose cas-là. pas de questions. Oui? Ouais, en fait, on pourrait très bien simplement ignorer le nom et puis on va voir. On va le prendre en photo. En même temps, c'est un petit défi pour nous, comme ça, on va bien voir. Ah, les gens ils sont pas amusants, ils sont pas amusés là, ils mettent pas beaucoup, hein. Non, ils 420 sont. points et 530, hein. Ah, vous êtes mous les gars, hein. Ah, vous êtes pas joueurs, hein. Cette question ne vous plaît pas tellement en fait. N'empêche, moi je pensais à un truc. Le jeu, je Oui. pensais qu'en fait tu contrôlais le fantôme en fait. Je pensais que c'était un joueur le fantôme. Alors que non. Non, non, mais malheureusement ils veulent pas le faire, les développeurs ne veulent pas faire ça. Ce serait tellement bien. Ça pourrait être marrant, je trouve. Voilà, on peut lancer la Du coup, partie. la prédiction est terminée. On peut lancer. Ouais. Ouais, On est dans une école en petit pro. pari, hein, pas grand monde. Non, petit pari. Mais du coup, si le nom, on sait pas dire si c'est un homme ou une femme, ben on regardera. Hein. En général, je me dis, ah bah ben oui. Ici, j'ai mis, je sais pas combien. Ok. Et ben, mais à combien de points, du coup, Yoru, toi? Eh ben, en espérant que la chance vous mette dans une team différente et que le gagnant la redescend. Ah bah ben, vous avez voté pareil, hein. Des vieilles Yoru. Là, il y a Vous avez dit Boxeneur. femme, du coup. Je sais pas si ça va passer. Pas de bug. T'avais un parasite quand tu parlais. Comme si ça saturait, mais avec un parasite. Comme si t'avais une C'est pas sorte faux. de onde qui passait à travers. Mais ça s'arrêtait. Peut-être à cause du chargement, on sait Ah. jamais avec le jeu. C'est pendant les chargements, oui. Là, ça s'est calmé, donc ça va. Donc c'est Ça va. temporaire. Ah ouais, déjà 3000. Donc finalement, Mais c'est ça quoi va qui vite. compte? C'est le nom du fantôme ou c'est son skin? En priorité, le nom, et si le nom ne nous dit pas, ah ben on regarde le skin. Et si le skin est contraire au nom, on fait comment? On s'en fout du skin. Le premier truc qu'on va regarder, c'est le nom. C'est tellement transphobe! Oh, mais c'est bon, hein, il va pas commencer celui-là. Hein. Il va pas commencer lui, hein. Et peut-être que dans sa C'est la mort, il règle se de la sent plus prédiction, femme, hein, ou homme, voilà. hein. Le reste, j'en ai rien à foutre. C'est moi qui écrirai la prédiction, ce sera selon mes règles, point. Vu que celui-là, c'est. Oh là là, oh là là là. Ouais, Bah c'est ça a mis du monde à personnel, apparaître, il hein. veut pas à cliquer. Pas du temps, pardon, à apparaître. Du temps, pardon. Bon, Bah mais du coup, j'allais c'est dire ça quoi a son pris du temps nom? quand même. Ouais, hein. Et Ah, encore, en suspense. on n'est pas tous là, hein. Suspense, Mais c'est pas. le suspense est à son comble. Mais ça, c'est parce que la carte est plus grande, non? Ou je sais pas. Aussi, ouais. Ou la connexion, je crois, je sais pas. Bonne La question. connexion au jour. Quel nom va-t-il apparaître ici? Qui va gagner? Comment tu colles ta tête contre le tableau? Bah ouais, mais je veux voir le nom, On dirait moi en maternelle quand j'étais puni. moi. Ou quand je foutais n'importe quoi. Et Je tu suis comptes le refaire une autre prédiction nom après qu'on ait trouvé le nom ou pas? Patricia officieux. Harris. Patricia! Ah, j'ai C'est perdu! Patricia, les J'ai vu que c'était gars! un homme. Eh oui, c'est une femme Et si qui c'est se un gros forme du boucher contraire. hachoir, je serais pas content. Si c'est Tu l'homme m'auras écrit pélican, là. il peut s'appeler Patricia, je m'en fous, hein. Ah ok, c'est comme ça, vous savez le nom du fantôme, ok. Ouais, parce que le fantôme Ouais. entend. D'ailleurs, je sais même pas si t'as Ah oui, il est configuré marqué. correctement ton micro pour que le fantôme t'entende.
Faudrait que tu testes Bulby avec le Spirit Box et que tu vois s'il réagit quand tu lui parles et que tu Ouais, poses des bah tiens, questions. bah essaye, attends, attends, donc, donnez-nous un signe. Donc c'est une femme, les gars. Donc il Donnez-nous un demande signe. quel âge avez-vous et où êtes-vous, et il finira Voilà. par te répondre normalement si tu es dans la bonne pièce. Ça réagit On pas va dans le mettre camion notre tant qu'on n'ouvre pas la prédiction. porte, je crois. On va mettre la prédiction. Est-ce que le micro de Bulbi fonctionne dans le jeu? Est-ce que le jeu comprend Bulbi quand il parle, ok? Ça peut Attends, être mais... marrant. Mais quoi? Les villes qui Et du coup, m'impliquaient peut-être du qu'on n'aura pas pognon. de réponse en fait. Peut-être qu'on n'aura pas de réponse. On va quand même essayer la prédiction, ce Si, sera. hein, on peut avoir de réponses. Au pire, on pourra tester pour la prochaine Bah. partie. Effectivement, on peut rembourser, on peut annuler les prédictions, mais... Est-ce que la Spirit Box va répondre à Bulbi? Attends, la Spirit Box, c'est quel objet? C'est ça? C'est celle qui fait pshhh. Ouais, je trouve bien. Ouais, est-ce que la Spirit Box va répondre à Bulby? Ce Ça peut sont les aussi dire radios en s'il y a fait. pas C'est ce qui si, y a, ressemble à des... C'est ce si qui la ressemble à Spirit des Box radios. fait pas partie des preuves, bah en retard, mais elle va pas répondre, donc c'est bon. Bon, ça va Ok, c'est répondre bon, à j'ai la Spirit Bulb, parce Box, que je j'ai peux y pas aller. assez de place pour marquer Bulbi, ok? Alors, donc je vais me prendre un Alors, est-ce que ça troisième va répondre à objet, et le Bulb ou troisième non? Vous objet, ce avez sera... 2 minutes pour répondre, on commence. Bah, comment vérifier ça? C'est C'est qu'il parti, les faudrait gars. qu'il y ait Quoi? deux. Bah, il faudrait que quand on trouve la pièce, bah, Bulby prenne la Spirit Je vais Box et prendre un tente appareil photo. à son tour. Et En si fait, jamais on ouais, sait que c'est ça ça. fonctionne En avec fait, là, quelqu'un on d'autre. va se taire. On va se taire et on va voir si Bulbi, ça répond à Bulbi ou non, en fait, Par tout contre, il faudrait que simplement. quelqu'un soit Oui, derrière on lui se pour. taire. Ouais, Il faudrait que quelqu'un soit derrière lui alors. pour. Parce que Ouais, si jamais bah ça là. marche pas, il faut quand même qu'il y ait quand même la Spirit Box, il faut quand même qu'on sache. Ouais, bah oui. Donc il Bah faudrait les déjà, on va deux qui se localiser suivent son avec la Spirit secteur. Box. Ouais, mais tu veux prendre ça, hein. Je vois la Spirit Box On va pour vérifier. localiser son secteur et puis je vais me diriger tout de suite sur la droite. Comme ça, je vais pouvoir aller sous les escaliers et réalimenter Ah, le ça tout. lag. Je lag. Désolé, c'est le stream du lag. Mon PC Non n'aime mais pas c'est les vrai que cols. c'est... Moi non plus, j'aime pas les Il y a cols. encore quelques défauts d'optimisation là-dessus. Oui, il y en a énormément encore. Je vais commencer On par a la pris la droite clé, directement. parfait. Donc je Un vais aller à la porte photo qui est là. crucificateur de mouvement. Ah J'ai ouais, quoi? Moi j'ai je juste connais. ça. Bon, j'ai pris le capteur de mouvement, tiens. Allez. Bah moi aussi, mais en vrai, je vais briser mes habitudes. Bah je vais rester avec Bulbi, moi, ça va les gars? Ouais, si tu veux, ouais. Alors moi Ok, j'ai un j'entends microphone rien du tout. parabolique, donc je peux vous dire s'il y a du son. Mais j'ai pas mal. Ok. J'ai pas mal. Ah merde, j'ai oublié ma lampe torche, Merde, j'arrive. j'ai ma lampe torche, je porte secours. Oh non! Bulbi, t'as pris la Spirit Box? Au pire, c'est pas grave, hein. Si on trouve la pièce avec la Spirit Box, on peut très bien lui repasser une Spirit Box après pour qu'il teste à son tour. Hein. C'est ça, en fait, juste nous on va se taire et on va le laisser parler, hein. La lumière est allumée. Non, ton micro ça va, hein, juste je lag. De quoi la lumière? Elle a allumée? Ok, merci. Je lag. J'ai réallumé si Montrez-nous vous un voulez. signe, où êtes-vous? Montrez-vous un signe, quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Éteignez le téléphone. Donnez-nous un signe, montrez-vous. Donnez-nous un signe. Éteignez le téléphone. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. Où Quel âge êtes-vous? avez-vous? Répondez. Voilà. Rappelez. On va répéter cette phrase souvent. Donnez-nous un signe. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Montrez-nous un signe. Où Bon, pour êtes-vous? l'instant, les Quel âge questions sont avez-vous? posées. Montrez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ah, téléphone! Ah, téléphone. C'est à Téléphone. l'étage, j'ai l'impression que c'est à Il y a le l'étage. téléphone de notre côté. Oh, d'accord, c'est à l'étage du côté de la porte d'entrée. Ouais, j'ai du son aussi, donc c'est pas loin. Quel âge avez-vous? Êtes-vous? Donnez-nous un Montrez-nous un signe. Bah, signe. moi aussi, j'avais tout. C'est pas ici. Cinq. Je crois que c'est Cinq, plus vers là où le milieu tu es. du couloir, ouais, près des trucs ici. Là ou Non, là-bas. mais 5, ça a pointé à peu près où tu es, donc c'est peut-être dans ces coins-là. Quel âge avez-vous? Êtes-vous? Montrez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Ça réagit pas. Donnez-nous un signe. Ah zut, j'ai plus de valeur. Je vais voir ici. Inverse de côté encore. Quel âge avez-vous? Êtes-vous? Montrez-nous un signe. Ça Montrez-nous un signe. Faites sonner le téléphone, s'il vous plaît. Ah, c'est peut-être parce que tu t'as la Spirit Box que j'ai le 5, mince. Ouais, ça doit Attends, être faut pas ça. que je parte en fausse piste. On va revenir dans le fond du couloir. Attends, si je coupe la Spirit Box, c'est encore le 5? Pour l'instant, je suis à 0 là. Donnez-nous un signe.
Attends, je rallume un spirit box, tu vas voir s'il y a à nouveau le sac qui apparaît. Ah ouais, ça s'est remis. Ok. Ah ouais, donc le fantôme peut te suivre à partir d'un spirit box. Ah, ça craint. Ouais, faut croire, ouais. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Vous êtes ici? Pourquoi je me sens mal cette pièce? Bizarre. Et arrière, on dirait. Ça devait s'ouvrir pour montrer qu'on est passé. Alors, généralement, un petit conseil que je peux vous donner quand vous jouez sur des grandes pièces comme ça, c'est de laisser toutes les portes fermées. Si, comme ça, si jamais vous tombez sur. Sur une porte ouverte, vous pouvez vous douter que c'est le fantôme qui est passé par là. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Bah, c'est pas l'étage? Ah ouais, pour le. J'ai l'impression que pour le temps de la prédiction, on doit parler de Spirit Box. J'ai l'impression que cette fois-ci, c'est un fantôme qui ne fonctionne pas avec la Spirit Box. Ah ouais, c'est vrai, on est con. Bah non, ça va quand même dire non, hein. Ça signifie non quand même. Ok, ok, ça marche. La Spirit Box va pas répondre à Bolby puisqu'il s'en fout. Bah ouais, je suis parti du principe qu'il y avait Spirit Box. Quel âge avez-vous? Montrez-nous un signe. Oui, mais des fois il y a des fantômes qui n'utilisent pas la Spirit Box, Bolby. Donnez-nous un signe. Ça m'étonne que ce soit ici, hein, le... Montrez-nous un signe, faites sonner l'appareil, s'il vous plaît. Le téléphone, faites quelque chose. Où êtes-vous? Êtes-vous ici? Patricia, montrez-nous un signe, s'il vous plaît. Patricia, vous êtes ici? Vous avez quel âge? Montrez-nous un signe, s'il vous plaît. Ouais, porte ouverte, c'est quelqu'un passé. C'est mort. Là, ça peut être fait. Quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Montrez-nous un signe. Êtes-vous ici? Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Montrez-nous un signe. Je peux pas te juger là-dessus. Quel âge avez-vous? Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est mort. Hein. Niveau Spirit Box, ça marche pas. Bon, on va voir. Je vais aller abandonner le microphone par rapport. Il attaque. Préparer l'appareil photo pour le prendre en photo, et à la limite on peut courir dans les couloirs et on va pouvoir un peu savoir d'où il vient, parce que là ça devient un peu chiant. Ah, attends, ça brûle pas. Il sera en bas. Si je meurs maintenant, j'ai encore tellement pris de cher. Il va me popper à la gueule. Bonsoir Teddy, comment tu vas? Run for your life. Vous l'avez vu ou pas? C'est marqué rien détecté, je crois. J'ai l'impression qu'il est en bas, hein. Non, je suis passé en bas. C'est que la Spirit Box marche pas. Où êtes-vous? Quel âge avez-vous? Ils ont trouvé, on dirait. Il meurt. Il est en bas alors. Moi aussi, je voulais pas qu'elle vienne dans les escaliers. Lui, si elle vient dans les escaliers, c'est la merde. Ben tiens. Il y a des morts ou pas de morts? Non, il n'y a pas une mort. Moi, je crois que je l'ai eu en photo. Je l'ai entendu gueuler là. Encore? Oh là là, mais cette violence. Oh non, cette pièce. Je la sens pas, cette pièce. Oh non, j'ai peut-être mourir ici. C'est peut-être pour ça, en fait, j'avais un sentiment. Je vais me planquer derrière le présentoir. Moi je vais sur le bureau, pas les couilles.
Maria, j'aime pas de crucifix, quoi. Là, il se rapproche, on l'entend. C'était les femmes et les enfants d'abord, non? Ok, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Donnez-nous un signe. Bon, notre santé mentale doit être dans les choux, hein. Méfiance, on descend à l'étage du fantôme. On sait toujours pas s'il est là ou pas. Il va sortir. Oh merde. Ça fait fuir les fantômes, c'est efficace. Bon, probablement à l'étage. Il est à l'étage ou au rez-de-chaussée finalement? Franchement, très bonne question. C'est horrible. Les bruits de Spirit Box seront fous. Alors les gars, il est où finalement? Oh, oh là là, il est vénère, il est vénère, il est vénère. Il a fermé la porte. Ouais, plaquez-vous dans les classes et fermez la porte derrière vous. Ah, bah t'en vas alors. Bah ça va. Ouais, je crois aussi. Ouh, j'ai plus de santé mentale, effectivement. Voilà. Voilà, photo du fantôme, c'est fait. Capteur de mouvement, crucifix. Je vais mettre des trucs devant la porte d'entrée principale. Comme ça, on gagnera quelques secondes pour revenir dans le camion à chaque fois. Par contre, moi, je vais prendre des pilules. Ah, Darkin est morte, je crois. Alors Patricia, c'est une vieille dame vénère avec une fourche de ce que j'ai pu voir sur leur tour et Darkin est morte. Ah bah rip. Le fantôme a ouvert la porte et est rentré. Quoi. Et j'ai vu entendu ma maison trembler, c'est que ça l'a énervé. Ouah, mais il sert à rien, mais la pilule elle sert à rien là. Je vais en prendre une, regarde déjà ma santé mentale. Ouah. Bah ouais, bah moi c'est pareil. Bon bah allez. J'étais à 20, je suis à 48. Prends la part de Darkin. Hein. Sérieux, il attaque déjà? Non, mais il y a un problème. Mais attends, il peut nous attaquer pendant qu'on est dans le camion là? Non, mais il y a encore quelqu'un dans la maison, dans l'école au fait, c'est ça le truc. Ah, ok, ok. Bon, bah, je vais amener tout à la porte centrale, hein, on va. On va gagner du temps et s'occuper comme on peut. On sait toujours pas où il se trouve, hein, c'est génial. Bah, c'est génial, hein, on a bien commencé. Voilà, pour aller plus vite, j'ai aussi jeté ma lampe torche, je vais la mettre ici.
Ah, Tulis qui doit être en PLS dans un coin. Crucifix, on a mis. Lampe UV, Cache-toi, Matamus. Tulis! Les caméras. Caméra. Hop là. En même temps, tant qu'Adulis est dans l'école, il va nous attaquer tout le temps, je crois. Si c'est toujours le même système qu'avant. Ouais, c'est qu'il y a Ouais, plus de merde. pilules, il y a plus de pilules et je crois que j'ai pris la pilule d'Adulis parce que je pensais que c'était la partie de Darkin, mais non, il n'y en a plus, donc il pourra même pas relever sa santé mentale. Ah ouais, merde. C'est quelle classe? De l'autre côté? What? Rez-de-chaussée, côté droit. Ça annonce compliqué cette Bon bah enquête. Fanto, je te suis, hein. Je te suis. Voilà. Montrez-nous un signe. Vous êtes ici? Montrez-nous un signe, vous êtes là? Bon, alors je vais poser la Vous avez pris caméra. quoi comme objet? Ouais, j'ai une caméra, mais je sais pas où la mettre. Et j'ai une lampe UV, et je sais pas où la regarder. Elle pourrait être. Ok, donc là où il y a thermomètre, c'est la salle. Ouais. Il attaque! Il attaque ça en haut. Il vient d'où? Bah, moi je crois qu'il vient de derrière en fait. Derrière, on va rentrer dans le truc de basket. Okay. Il y a une porte ouverte ici, tu peux la fermer. Viens, viens, vite, vite, vite. Oh, je suis là, je suis là. Allez, on fuit. Oh, il est derrière nous, il est derrière nous, il est derrière nous, il est rentré. Cours, 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 cours. Non. Non. Ah. Non. Non. Ah. Bulbi. Bulbi. Aïe. Ouvre la porte. Ah. Je Ouvre cours. la porte. Je cours. Ah, ça va. Avec tout ça, je sais pas si c'est venu de la gauche ou de la droite. Non, c'est moi qui ai un ballon de basket qui vient de. Ouais, c'est Darkin qui s'amuse, je crois. Je suis pas sûr. Ah, ok. Je crois que c'est la seule qui est morte. Je pense qu'Azu, c'est toujours là. Ouais, il est là, ouais. Ok, donc je me dirige vers la salle. Je vous y dirige. Oh non, mais c'est pas vrai! Ou pas. Il vient d'où, Bashibuzouk? Il vient dans l'opposé. Il vient de là? Partez, 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 il va nous suivre. Ferme bien la porte. Ferme bien la porte quand tu passes. Ouais, il faut s'éloigner quand même. Ah, attends, je crois qu'il passe à travers la porte. Ou alors elle est mal fermée, celle derrière nous. Il arrive, il arrive. Fui, 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 fui. La porte. Voilà, faut mettre deux stack. Fermez là. En même temps, on retourne vers sa pièce, donc on va être bien. Ok. Cette enquête va être compliquée. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai plus l'appareil.
pas. Il est supposé être là, mais je le vois pas. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Ah, super. T'es juste en face de nous, en fait. Ah, ah, c'est moi qui veux. Même le fantôme, il est lent. Attends, il est passé devant quelqu'un en ignorant quelqu'un d'autre, c'est peut-être une bande fille. C'est intéressant ça. S'il a ignoré Bulby et qu'il s'est concentré sur toi. On va bien voir ce que ça va nous montrer de plus. On va essayer que tant bien que mal de s'approcher de sa pièce. Finalement, il est du côté gauche de l'école, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai posé la caméra, donc on peut regarder au camion. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est une discothèque, cette école. Où là? Ah, c'est la bonne caméra, parfait. On va essayer de voir si elle attaque, d'où elle sort. De trouver la bonne pièce. Sort. D'accord, c'est pour l'intérieur. On n'a pas d'orbe actuellement. Regarde. La caméra est bien dans la bonne pièce? J'essaie de regarder, mais là. Ouais. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Quelqu'un est mort? Il a attaqué, toi, là? La spirit box a fonctionné. La spirit box a fonctionné. Ah, cool. Effectivement. Et y a peur d'avoir de. Elle est bloquée sur la poubelle. Ah non, ça va, elle s'est débloquée. Y a peur d'avoir des orbes, sinon je pense qu'on l'aurait vu, vu que c'est là qu'elle était et qu'elle spawn. Pas d'orbes, on dirait. Allez, j'ai testé moi-même la spirit. Ah bah non, la spirit box a été testée.
Il faut que ce soit Bulby qui l'attende. Il faut que je vienne avec le détecteur de mouvement et la lampe UV. Bon, j'ai pas vu d'orbe, hein. Pourtant elle a spawn devant la caméra et tout, il n'y avait pas d'orbe, donc à mon avis c'est mort pour ça. Pas qu'on dépose des crucifix, parce que vu sa vitesse d'attaque et sa fréquence d'attaque, il va falloir essayer de temporiser. Ouais, de toute façon, la fréquence d'attaque, ouais, on est obligé maintenant. Est-ce qu'il sinon, il faudrait que Bulby... Si Bulby fait prendre la spirit box allumée et parler, ce serait bien pour qu'on voit si elle lui répond. Bah j'ai la spirit box. Ouais, totalement. Non mais oh, tu te prends pour qui, vieille chouette? Non, 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 fuis Bulby, elle arrive! Demi-tour! Demi-tour! Elle me colle au basque. J'ai le sens rapprocher, elle se rapproche. Je vais mourir. Allez, viens me chercher! Bouge tout gros cul de grand-mère, allez hop! C'est moi que tu veux. Tu veux mon booty, allez viens me chercher à l'étage. Allez hop 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 hop. Oh putain putain, elle est derrière. Elle est derrière. Cours, cours. Elle nous lâche pas. Elle est vénère. La vieille est vénère. Ça va. Le temps d'un tas de sa pièce, elle va réattaquer quoi. Et ça va devenir impossible. Hein. Le temps qu'on arrive à sa pièce, elle va nous attaquer quoi. Ah bah ça va être fréquent. Je vais poser un détecteur de mouvement, donc je vais aller valider un objectif au passage. Ah parfait, j'ai pas vu ça le foutre. Moi. Oh non mais non, non, elle était juste à côté. Ah mais c'est pas vrai. Va pas nous lâcher, hein, décidément. Il n'y a pas de pièce où se planquer ici. Oh non, elle a quelqu'un. Ah, ça craint. Qui c'est qui Bulby s'est fait avoir? Bulby, non. On va pouvoir, on va pas pouvoir tester. On va pas pouvoir tester la spirit box à cause de Bulby. Bah ça sera un non à mon avis dans les prédictions. Voilà, on est plus que deux. Dans le doute, je mets le capteur ici. Montrez-vous. Voilà, elle est sur nous, mais elle est sur moi. Eh mais non, mais c'est injouable. Tu m'emmerdes la vieille, ouais bah t'es chiante. Hein? T'iras payer avec tes petites pièces ailleurs que chez nous parce que ça commence à prendre du temps là. Alors prends tes clics et tes claques et retourne au cercueil. Je me suis plus là. Eh hey, mais c'est vexant. C'est vexant. Eh hey, la vieille. Je suis ici la vieille. Reviens ici la vieille. Mais elle m'ignore comme un vieux sac. Elle m'ignore comme un vieux sac. Ouais, bah je vais... Bah j'observe sa petite pièce. Hein. Empreinte. Il y a des empreintes. Yes, parfait. Très bon signe. Hop là, ça je jette. Esprit spectre porte-geste. Attends, on va sortir, on va essayer de canaliser un peu ce qui nous manque. Enfin, si on peut sortir, déjà. Ouais, ça nous laisse. Oui. Ah, alors, on a. Parfait. Donc, il va nous manquer le crucifix aussi en objectif. Ensuite, du coup, il nous en manque 3. Esprit, donc, spectre. Le MF ne sert à rien. Donc, il reste tout, les orbes, l'écriture et la température. La température, je pense qu'on l'aurait déjà eu si c'était ça. La température aurait été visible, mais peut-être qu'on n'est pas resté assez longtemps à l'intérieur. Non, c'est instantané, je pense.
On va voir, hein. Donc Bah, je sais l'écriture. pas, en cherchant les empreintes, j'ai pas eu de buée, donc je suppose que L'écriture, j'aurais la eu. température. Écriture, température ou orbe? Je dirais plus Ok, on peut rien l'écriture. exclure vraiment. Je vais checker les Donc orbes le map, encore. j'ai essayé. À mon avis, c'est J'ai apporté l'écriture. une caméra en plus. C'est écriture, ce serait J'ai apporté une esprit. caméra en plus avec un. Ok. Ouais. Bon, si tu veux, je J'ai check apporté ta une caméra deuxième frontale. caméra. Ouais, on n'y arrivera pas comme ça parce que Oh le non, mais temps elle d'y aurait arriver, elle va pas. attaquer. Ouais. Donc ça, je vais prendre un crucifix au Caméra, passage. caméra. Alors, caméra Essayer, on va quand même 18. essayer tout ça. On va y arriver, on va y arriver. On Ouais. n'abandonne pas. Il nous manque quoi en fait? On a les photos du fantôme? Ouais. Là. Si, on l'a, on l'a. Crucifix, il y en a devant la porte d'entrée. J'ai mis des crucifix, tiens, sur le chemin. Une ici, avec une seule. Il manque un objet, j'ai une main libre. Oh, il se fait attaquer. Fait du mouvement sur la chaise, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut prendre cette vie au sérieux? What the fuck? Ouais, c'est quoi ça? Ok, il est là. Ça va aller tranquille. Faudra livre. Est-ce qu'il y en a ici? Non. On va mettre la caméra dans la pièce. On va peut-être voir sur sa tête. Ouais. Il va rentrer dans la pièce. Hop. Va checker via sa caméra frontale. Ok, j'ai pas vu d'orbe avec ta caméra frontale, je vais checker celle que tu viens de poser. À mon avis, c'est écriture. C'est chaud quand même. Bon, moi, si on est à l'abri, par contre, que ce soit sur le nôtre, il n'y a pas d'orbe, hein. Il n'y a rien du tout. Niveau température Super. glaciale, à mon Donc, avis, t'avais pas non plus de buée hein, quand t'es rentré dans la pièce. Donc, il faudrait que j'essaie d'entrer plus profondément. J'ai posé le premier crucifix, mais quand t'as pris le deuxième? Oui, j'ai le deuxième brief. Ok, donc il va falloir. On va essayer d'y aller à nouveau à deux. Ok, on y Je vais va. prendre une troisième caméra encore au cas où. Bah, il faudra un deuxième cahier, peut-être qu'avec un deuxième cahier, si on en a un disponible. Ouais, mais il est où le celui-là? À mon avis, il va être sur quelqu'un qui est mort, je sais pas. Ah, ici. Ah bah. Ah bah, directement, on rentre et on nous Ah, attaque. il était juste là, bon, parfait. Ok, bon, on va essayer de s'éloigner vers la droite. Ouais, ça va être compliqué là. Non, non. Va tellement lentement, mon Dieu. T'entends la vioque? Tu m'auras pas, t'es trop lente. Je sais que t'es lente. C'est pour ça que tu presses le pas, je t'entends. Allez, viens, c'est la disco-attitude. C'est la disco-attitude. C'est moi qui suis, donc du coup, je m'en occupe Mais pour c'est une banshee ou quoi? C'est pas possible. Elle en a qu'après toi, hein.
Ouais, mais elle se comporte comme une banshee, quoi, c'est fou. Et c'est moi qui fais plus de bruit, alors c'est moi que tu dois venir trouver, hein. C'est les règles du jeu, hein, je les connais. Espèce de tricheuse. Vieille emmerdeuse qui triche. Dans ce temps-là, il y a des fantômes qui jouent au basket ici. Là, une vieille jambe de bois. Ah, que t'as une vieille jambe de bois. C'est énorme. Allez hop, tiens, crucifix sur le couloir, ça se fera chier. J'ai posé la troisième caméra, plus dans l'autre sens cette fois-là. Je vais mourir, 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 je sors, je sors. Non, non, non. Waouh, le bruit de pas, mais c'est vrai que ça va fort. C'est long. Ça va, t'es pas mort? Ouais, je viens de voter in extremis pour une prédiction. Et ah, pour 10, j'ai gagné 305. Ça va, c'est rentable. Bon, alors avec tout ça, on fait comment? Donc alors, on est d'accord que celle-là, rien. Ouais, tu as gagné 427, plus que ce qui était prévu. Par contre, c'est horrible parce qu'on a deux indices qui restent pas mal possibles, mais on n'a aucune info. Donc là, Clairement, on c'est n'a pas des rien non orbes. plus. C'est clairement pas des orbes. Et là, il nous manque un angle. Il y a un angle qui n'est pas encore en vidéo. Y avait pas un livre entre les deux caméras que t'avais posé? Ou il est caché par la chaise renversée? Je l'ai bougé plus près du bureau. Ah. Voilà, merde, il Mais faut apparemment, là non prendre. plus. Ah, oh, purée. Alors, dans l'idée, ce qu'on peut toujours tenter de faire, c'est que, bah, évidemment, on va tourner, on va bouger une caméra, tout ça. Par contre, on n'a pas le deuxième livre. Si tu l'as, Si, les deux sont dans la pièce. faudrait poser Les deux sont dans la pièce. un peu plus. Et le deuxième Crucifix quelque part aussi. On va essayer de voir. Ok. Normalement, il y a Crucifix qui est dans le couloir devant la porte d'entrée. Et les livres sont tous les deux dans la Ok. pièce. Ok, on va essayer de voir tout ça. Et le froid n'a pas l'air de se manifester non plus. Ouais, complexe là. Il a pas l'air d'avoir envie de nous donner le dernier indice. En fait, pendant que l'un se fait chasser, l'autre va entrer dans la pièce. Avec un peu de chance, on aura peut-être un indice de froid.
Bon, vu la chance que t'as, c'est toi qui vas te faire chasser. Ouais. On va arriver, on va repartir. On va canaliser, quoi. Moi, je vois pas le crucifix. Bon, les livres, il y a rien. Les livres sont pas écrits. Hein. Et s'il y a crucifix, là. Hop. Je jette ici. Donc, voilà. Les livres sont toujours au calme. Et il faut écrire, madame, vous êtes chiante, hein. Vous avez prof de français casse-couille, c'est ça? Oh, on les a tous connus, ça. Hein. Vous manquerez à personne, madame. Tournez une caméra. Bon, décidément, il n'y a pas de froid. Vous pouvez écrire, hein. Pas de froid, il n'y a pas d'orbe, il n'y a pas d'écriture. Il faut écrire, hein. Vous êtes la prof de français, il faut écrire, hein. Sans faute d'orthographe, si possible. Hop, on la verra d'ici. Ah, elle a décidé de nous laisser tranquille. Ah, je crois qu'elle en a marre aussi. Hein. Et c'est pas pour ça qu'elle veut nous donner la dernière, le dernier indice, ouais. Oh là là. Elle doit être pas mal fatiguée à force. Bon, allez. Prions pour cette caméra. Ça aurait été une ombre, j'aurais pas été étonné qu'elle prenne autant de temps. Ouais, mais elle attaque tout le temps. Mais une ombre peut attaquer tout le temps si vous lui laissez le temps de s'énerver. Mais là, Poltergeist, elle bouge pas beaucoup d'objets en même temps, il y a pas beaucoup d'objets autour. Mais elle joue même pas avec les livres, etc. Spectre, c'est vrai qu'à des moments elle avait l'air de passer à travers la porte, mais de là savoir si c'est vraiment parce que c'est un spectre ou c'est parce qu'il y avait un bug avec la porte, bon, c'est compliqué. Et esprit, ça peut être tout et rien, donc Ah, c'est incroyable. Là non plus, il y a rien. On va faire au pifomètre, hein, à force. Ah, le crucifix était validé au moins, c'est déjà ça. Ah, enfin une bonne nouvelle. Par contre, c'est dommage, on a que 3 caméras, on peut pas poser d'autres. Bah, c'est déjà beaucoup, 3 caméras quand même. Hein. C'est rare qu'on ait autant de choix de caméras. Bah ouais! Et pour moi, c'est l'écriture. Moi, je serais tenté de mettre l'esprit. Bah ouais, mais ouais, c'est marrant. Je pourrais être tenté, moi. Parce que là, attends, les orbes, enfin, c'est un moment, il faudrait quand même voir une petite mouchette voler, quoi. Il n'y a rien, et la température pareil. Je vais essayer de faire encore une tournée. Quoi faire, le truc il veut pas. Hein. La caméra frontale va peut-être définir quelque chose qu'on ne voit pas avec les caméras fixes. Ça m'étonnerait quand même sérieusement, normalement. Hein. Ah, il y a des écritures, non? Y'a pas les écritures sur les cahiers là? Je peux voir une écriture? Si, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est un esprit, parfait. Les deux en plus. Ok, je sais pas si les fantômes nous entendent, mais c'est esprit. Putain, c'était long, hein. Oh là là, qui chiant ce truc là. Ah ouais, mais fou. Surtout pour un esprit stupide, quoi. C'est vraiment le truc tout pourri du groupe, quoi. Ça. Mais c'est ça. Décidément, les esprits ce soir, ils en donnent du mal. Hein. Ouais. Je pense que tout le monde a bien mis esprit. Voilà. On va pouvoir démarrer. Hop là. Ouais, j'ai mis. On n'aura pas les photos des cahiers, mais tant pis. J'ai pas parlé avec moi. On va pas encore passer plus de temps que ça. Ça fait, je sais pas, au moins 40 minutes. On est dessus.
Eh ben. Et puis sur le deuxième, il est marqué comme quoi t'es sub, chelou. Quel enfer. Tenace ce fantôme. Ah, y'a un cooldown, hein. Les gars. J'ai réussi à mettre en place un cooldown. Bon, moi je vais arrêter pour cette session de Phasmo. Ça a duré longtemps. Je sais pas si tu comptes faire encore des parties ou pas, parce que quelqu'un va les rejoindre. Et moi je vous laisse. Ouais, peut-être des villes. Cette partie était tellement longue que. C'est toujours le même code, mais vous êtes mon code. Vous êtes mort ou. Non, 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 on a réussi. On a trouvé les indices. Tantôt, il y avait. Attends, qui est arrivé? Je crois que David était arrivé en premier, hein. Je crois que Ruth est arrivé après, hein. Dites-moi. Parce que tantôt, j'avais dit qu'on priorisait en fonction des arrivées, en fait. Hein? Par hasard, vous avez pas vu un ballon, enfin des ballons flottés ou quoi? Des ballons voltigés? Bah, on était pas dans la pièce. J'ai l'habitude. Oui, j'ai déjà vu un ballon voler tout à l'heure, mais j'avais été. Je vais être honnête, j'ai l'habitude. Donc, très franchement, les ballons. Ah, bah voilà, parce qu'en fait, on s'est fait juste du passe-passe pendant que vous étiez en train de chercher fantôme. Bon, bah, moi je vais vous laisser, je vais laisser ma place pour Deville ou Yoru, je sais pas qui d'autre va rejoindre. Ok. Passez une bonne soirée à tous. Ça marche. Bah, bisous. En vrai, s'il y en a d'autres, je peux faire pareil, hein.